Bonjour à tous et à toutes, je suis Arlus et bienvenue pour la suite de Neverwinter Nights, Halls of the Underdark, et le début du chapitre 2 de cette fameuse aventure. Alors vous voyez, j'ai level up. Pour résumer ce qui se passait dans la dernière session qui date d'il y a... suspense, qui date d'il y a 2 semaines, et donc j'ai tout oublié. Nous avons retrouvé le mage Alastair, basiquement, donc ça va être la fin. Sauf que son double d'une autre ligne temporelle est venu nous disant que c'était pas le plan, t'as tout merdé. Du coup, on te met un sort de quête et tu te démerdes parce que t'as tout fait foirer. Donc répare tout ça, va vaincre la Valcharès et démerde-toi. Et on a gagné un niveau. Ça a été compliqué, on sait maintenant qui est Nailera. Là on a retrouvé la prophétesse, Moult le gardien, Rebel Drow et machin qui servira à rien. Mais, nous avons gagné un niveau. Du coup, en roublard, nous allons mettre moult points dans... Parce que le crochetage, ça sert encore. Non, je vais pas mettre des points dans le crochetage, tiens. On va le mettre dans les autres compétences que je n'ai pas. Alors, les premiers soins, ça c'est très important, je trouve. La persuasion, pourquoi pas, la parade. Ah, la fouille par contre, la fouille, je mets 2 points. L'intimidation. Ça peut être pas mal si je mets 1 point d'intimidation. Une estimation, ça pourrait être pas mal. Donc je vais mettre 1 point dedans. Création d'armes. Est-ce que ça m'est utile? Je ne pense pas. Ah, le bluff, ça par exemple, ça pourrait être pas mal. Ah, ça doit être sélectionné. On va mettre 2 points. On va mettre le reste dans l'estimation. Ah! Ah! Et voilà quelque chose d'utile! 1 point dans un don. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait se mettre? Ambidextrie, dextérité plus 15. J'ai. Combien de armes? Oh. Ah, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Alors. Ça pourrait être bien aussi. Ah. Charisme surhumain. Non. Constitution surhumaine. Non plus. Dextérité surhumaine, oui. Tout ce qui est force, tout ce qui est surhumain, c'est le point bonus. Ah, peau métallique par contre. Ça serait pas mal ça aussi. Ça c'est pour les arbalètes. Robustesse épique. 20 points de vie. Ouh. Ouh. Tout ce qui est épique par contre là. Distance au poison. Ça pourrait être pas mal. Distance d'attaque sournoise. Ah, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
Oula, vigueur surhumaine, vigueur épique, volonté de fer et volonté épique. Je pense dans tout ça, les points de vie, je pense que j'en ai assez. Par contre, une peau métallique qui m'ajoute un plus 2 d'armure naturellement, ça pourrait être pas mal. Même si... Allez. Recommander, qu'est-ce qu'il me recommande? Sens du critique, âge de gel. Non. Ouais, il me recommande celui-là. On va prendre... peau métallique qui m'ajoute un plus 2 dans mon armure naturelle. Donc du coup peau métallique tac plus 9 de vie. Donc du coup je suis à 24 pour ce qui est de mon armure. Ce qui est pas mal. Donc on a aussi pas mal de quêtes. Revenant dans les quêtes, on en a énormément. Donc la Malchiresse, normal. Nous sommes aussi dans la... Nous allons aussi pareil dans une ville. Et il y a des golems. Donc il y a plein de choses à faire. Donc a priori il faut aller dans deux endroits. Donc là c'est que pour affaiblir la Valcharès. Donc ce sont des quêtes pour d'affaiblissement, je serais tenté de dire. Alors on va commencer. On va y aller. Prenez votre petit café. Et bien. Ah et je voulais dire que cette session sera sans doute la. Oh là, c'est grand. Oui. Bah oui. Ouais. Ah, il y a une chose que je vais faire aussi, c'est que je me suis un peu renseigné sur... Ah, comment s'appelle-t-il? Notre cher ami, c'est notre cher Jean. Que je ne sais plus où est-ce que j'ai foutu son objet. Où est-ce que j'ai foutu? Ah voilà, flasque de jean que je vais utiliser maintenant. Non, flasque de jean utilisé. Une fois de plus, vous m'avez appris, créature mortelle. Que voulez-vous? Voulez-vous voir ce que j'ai à vendre? Je ne propose que les plus beaux objets magiques. Ouais. En fait, le jean, de ce que j'ai lu, à chaque chapitre, parce que je me suis un peu renseigné sur l'objet, il va proposer des objets différents. Et ça peut être utile, d'autant que je peux aussi me débarrasser de mes objets. Donc quelque part, j'ai envie de dire que c'est donnant-donnant. Puis ça me permet de me vider l'inventaire d'une manière significative. Alors ça, je le garde, le sceptre. Les pierres solitaires, utiles. Les aventurines, j'en sais rien. La boule de feu, ah, ça peut être utile. Rayon de givre, ça peut être utile. Le loop d'Alaster, très utile. Sacoche immobilisante, on ne sait pas. Bon, ma relique, elle est à moi. Alors, des pierres. Les pierres là, je ne sais pas à quoi ça sert. Mais dans le loot, on va les garder. Ça me sert à rien. L'eau bénite, dans le loot. Toujours avoir une torche. Petite potion. Ça, c'est une invocation. Donc, très utile. Les antidotes, je garde. Il faut que je trouve des potions de guérison suprême, voir s'il en vend. Potions, des sets de clés. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Je ne sais pas. Ça un peu rien. Non, vends la pierre. Un sort de sommeil. Le sceptre que je garde. Et voilà. Je vais aussi en profiter pour faire un petit peu de rangement. Dans la boîte, il n'y a rien. Bon, la poudre me sert pas. Oh, ça me sert à quoi? Force plus 5. Ah, est-ce que je la garde? Est-ce que je la garde? Est-ce que je la vends? Je ne sais pas trop. Ça, je le vends par contre. Ah, je ne sais pas.
Dans le doute, je vais la garder. Bon, la grande boîte me sert pas. Enfin, elle me sert plus d'ailleurs. Ceinture de force, j'en découvre une. Oula, c'est pas les mêmes. Ah oui, il y a un plus 3 et une plus 5. Eh ben, on va garder celle-là. Caillou, on sait pas. Les yeux ne me servent pas. J'ai failli en une potion. La pierre verte non plus. Là, ça va être l'instant où on s'ennuie un peu. Donc, je vous propose de passer. De passer au moment qui vous intéresse dans la barre de description, dans la barre des vidéos. Je suis désolé si cela vous ennuie. Je vends mon bordel. Je vends tout le bordel. J'aurais dû faire ça avant, mais bon. On enlève tout. Voilà. Ah oui. Oh là là. Qu'est-ce que c'était que ça? Ah oui, bon. Ça me sert à rien. Pierre solitaire. Elle revient en haut. Les bâtons d'énergie, j'en ai pas besoin. Ça. Identifie-moi ça. Voilà. Prends ce caca. Bracelet de dextérité plus 4. Et moi, j'ai un bracelet de la rose jaune. Qui me fait un bonus d'attaque. Et un bonus d'électricité. Non, dégage. Uniquement utilisable par moine. Ouais, bon, d'accord. Bon, bah, tiens. Changeons. Échangeons. Tiens, prends ça. Et mon sac infini. Où j'ai moult choses. Notamment cette merde. Cette autre merde. Ce truc. Ça, tu peux le garder. Ça, c'est un sac 80. Qui me sert pas. Et bien sûr, le livre usé. Ah oui. De Likin. Ensuite. Parchemin potion. Ah. Guérison suprême. Guérison suprême. On est d'accord que c'est guérison suprême qu'il me faut. Examiner. Guérison suprême, les effets néfastes, comment sort de guérison fixe. Ouais, la guérison suprême, c'est exactement ce qu'il me faut. Là. Rien du tout. Et on divers. Ouh. Pas mal d'objets pour le craft, si ça intéresse des gens et qu'ils font le jeu. Très très intéressant. Un galvanisant, je sais quoi. Une broche de défense. C'est moi qui t'ai donné cette merde, je crois. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Un sac sanctifié. Oh là 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 là. Ce sac vivant a été créé par Shantae, soit dans une des prêtresses, est considéré comme un artefact mineur. Et peut-être accusé de voir quand il sort la baguette de métamorphose sur le sac. Ok. Quand certaines paires d'objets sont placées dans le sac que l'on active le gâteau, mais surtout ça paraît une créature tellement dévouée au créateur. Les créatures peuvent générer des points d'objets. Alors, chair et eau bénite. Par contre. Ça a l'air tellement craqué. Ça a l'air tellement craqué. Partition de la liche, c'est pour les bardes. Lanterne révélatrice qui sert à rien. Un élixir. Très utile. Un carillon d'ouverture. Oh. Waouh. Alors ça, j'avoue. Ça, j'avoue. Je vais le prendre. Voilà. Et eh ben parfait. Merci mon ami. Maintenant, on va aller dans les maisons. On va aller visiter un petit peu tout ça. On va aller visiter. Là, ça va être la partie exploration pendant dans cette partie. Que je vois un peu ce qui est, ce qui se dit, ce qui se va et tout ça. Bon, là, c'est les sorties, d'accord. Une drone, un mâle drone, une femelle drone, moult choses. Toi, tu es un personnage. Ah, il est évident qu'elle est une personnalité importante. Eh, c'est vous, le fameux avec la confiance d'un prophétesse. Une proposition. La maison m'est vide, ma maison est vide, difficile.
Oh, petite quête, mage d'énorme, mais sous-estimé. Vous voulez que je tue votre propre mère? Ça vous surprend? Vous n'en faites pas mystère, on n'avait pas peur que ça se sache. Qu'ai-je à y gagner? La race magique, mais aussi agir dans votre intérêt sud. Quand je suis sur le plan et simple monter, montrez-moi la nouvelle carte qui surveille la porte de la tour de la mer au nord. Ils m'ont déjà joué. Ah, ils me laisseront passer et appelleront ma mère, son chef fidèle, Teblar, que j'arrange. 20 000 pièces d'or, ça va du fait que la maison sera. Ah bah. Ok. Ah, écoutez, hein. Petite quête. Petite quête. En tout cas, c'est beau. Alors, cependant, je peux me permettre. Alors, je connais pas assez bien les draws. Hein, c'est quelque chose qui m'est complètement inconnu que je découvre. Sachant qu'on a déjà essayé de me tuer, on a essayé de me faire énormément de choses. La maison de Maïville, ouais, ok. Mais cependant, pour le moment, moi je pensais que du bien des draws. Et je continue à en penser que du bien, de manière générale. Cependant, porte aux environs de Maillard. De Maillard. Marchand. Ah, marchand par contre. Ça c'est intéressant. Là on a quoi? Un temple. On a un temple. Ça par contre c'est utile. On a un temple. Ah mais c'est... Oh, oui c'est la douche en fait. Espèce de sac. Donc on va aller voir le marchand, voir ce qu'il propose. Il est derrière le marchand. Alors cependant je trouve la musique très bien. Un noble, un noble, un noble. Fidèle. Ça un peu c'est minable et des oh là là, oh de la bagarre, ah pacifiste à la manque, j'ai gagné 500 points d'XP. Oh hey. Oh les dons, bonjour. Merci pour être que vous nous apportiez. Bonjour, je suis là. Ok. Je voudrais voir le marchand qui est juste là, normalement. Ah, au magicien. Ouh. Salut. Oui, je voudrais... Je tente de vous tous vous sauver. Pourquoi vous ne pouvez pas... Fais voir ce que tu vends. Je vais pas dire, ah, je vais te sauver la vie. Mais d'abord, nous boîte tes objets. Compétences, estimation, réaction positive. Et ben voilà. Ouh, éternité. Très, très beau. Alors... Potion de guérison suprême. Faut pas que je me trompe. Je me suis encore trompé, je suis sûr en plus. Bon, je regarde un peu ce qu'ils vendent d'autre. De toute façon, si je me trompe, c'est pas grave. Hein, je suis trop con, je suis trop con. Alors, lui, il vend des guérisons suprêmes. Ce qui est une bonne chose. Ce qui est une très bonne chose. Donc je retiens, ça vaut pas si cher que ça, par contre, faut que je fasse attention à pas trop en prendre. Là c'est quoi? Terrain d'entraînement, les jardins d'Ale. Ah putain, ah, j'ai du mal avec cette carte pendant 2 secondes. Garde domestique, suis bien. Putain. Je sais pas. Ah, si, moi, je veux ce record. Prends ce gros gnome assez beau vu. Que se passe-t-il? Plus que 4 peintres, on suit le record du champ pour plus de bien. Voilà. Arrêtez ça! Votre action vers 2 points vers le bon. Ah, mais il y a pas mal de choses. Et 500 d'XP. Il y a moyen d'XP gratos. Ça a l'air cool. Un tavernier. Un tavernier. Elle est drôle leur taverne. Armure et forge. Ça m'a pas l'air chaud. Il y a des docks. Maison publique. Maison publique. Oui, donc c'est des maisons publiques. Maïvir. Et moi, je dois aller à la maison Maïvir. Bon. Bonjour.
Elle est prête à foncer. Certains des gardes sont loyaux à Maïzana, d'autres hésitent à entrer. D'ailleurs, celle-là, nous ne vous combattrons pas, mais nous ne vous aiderons pas non plus. Dépêchez-vous d'entrer, nous appellerons la Maïzana. Ok, très bien. Putain, même les gardes, même les gardes, ils sont corrompus. Alors, la mère m'a train de... C'est vous la matrone, c'est vous que je dois tuer. Je travaille pour la prophétesse. Une blague qui te je viens à vous prévenir. Alors, est-ce que je la joue loyale ou est-ce que je la joue connard? Voilà. Je vais essayer de la jouer. On va la jouer connard pour commencer. Ouais, ça se trouve, ça va rien changer. Bon bah d'accord. Bonjour, je viens vous tuer. Ça va? Bon par contre je me prends la max. Je prends extrêmement cher j'ai l'impression. Non mais agonisant. Voilà. Voilà, toi. Voilà, et puis madame. C'est pas contre vous, je vous jure. Ah, cinématique. En fait, c'était un piège, je suis sûr. Voilà. Ah. Ah bah tiens, un piège. Je tuerai moi-même le premier qui reculera. Ah non. Vite, prenez la tour. Évacuez le reste des excréments qui suivaient ma mère. D'accord, très bien. Bien joué, Yannick, vous aussi, mais content. Au revoir. Quoi, je me fais jarter? 5000 points! Oh! Oh là là! Mais je peux. C'est impossible. Ah, mais je suis de son côté. Ah, bon, d'accord. Bah, d'accord. Okay. Faites chier, les mecs. Je peux forger des trucs? Non, tant pis. Salut. Vous savez perfectionner les armes. Ajouter. Oh. C'est coup de la poule du cul. Alors, j'ai combien d'argent? Je pourrais me permettre de faire un max de trucs. Je voudrais. Une arme acérée, tiens.